Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'acte 6 chapitre 1, quête numéro 4. On retourne sur Rhino pour aller après la guêpe cette fois-ci, donc 7e passage sur cette quête. C'est le 3e essai que je fais sur ce Rhino. Autant la quête, donc là je suis toujours avec le boost 40% que j'avais mis dans l'autre quête, qui nous durera pas toute la quête, parce que là c'est le 3e essai que j'essaye de faire sur ce Rhino. Autant le premier passage que j'avais fait, donc le passage que vous avez vu hier, ça s'est super bien passé dès le premier coup, autant là j'arrive plus à le one-shot. J'arrive plus à le one-shot parce que j'ai pas de chance sur mes spé, j'ai pas de... Voilà, je n'arrive pas. Autant là, vous voyez, là ça va, là. Là, on est bien, on augmente bien, voilà. Bon, là, il nous fait son irrésistible, forcément, enfin, c'est logique qu'il nous en fasse un peu. Allez! Allez, faut que tu nous mettes des grosses spé, là! Voilà. Bon, c'est pas la folie non plus, mais bon. Allez, on va essayer de monter en spé un maximum avant qu'il soit pur imbloquable. Putain, il va être full imbloquable bientôt là. Putain. Je sais pas si ça va suffire. En vrai, ça va lui enlever quand même pas mal, je pense. Allez, il faudrait un petit saignement, là. Un petit saignement pour le finir. Super, le saignement critique. Génial. Parfait, Domino. Parfait, parfait, parfait. Ok, on retourne contre Void, cette fois. Donc, il va être relou, encore une fois. Mais en vrai... On peut y arriver. Je pense qu'on peut y arriver. Donc comme la dernière, hein, comme la dernière, il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Donc immu-étourdissement, hein, toujours. Allez, grosse P3 là, on n'a pas perdu de vie encore pour l'instant, on va je pense lui enlever, oh on lui enlève pas tant que ça, bon un peu plus quand même là, oh merde je me suis fait complètement avoir là, je gâche tout, oh c'est grave dommage, je gâche tout là, ah je gâche tout. C'est dommage, je gâche tout parce que j'avais 50% de ma vie et tout, j'ai tout gâché. Ah, c'est dommage, hein. Je faisais une super, un super passage, là, et j'ai tout gâché. La guêpe. Donc, la guêpe va être chiant. Pardon. On va attendre les 25... Ouais, non. Ah, je vais attendre. Je vais attendre, il y a 10 minutes encore, on a large le temps de finir la quête. On a large le temps de finir la quête, je remettrai un petit boost de vie, je pense. Donc là, la guêpe, elle a attaque lourde et Ragnarok. Donc Ragnarok, attention quand même. Attention quand même. Et surtout, attaque lourde, faut surtout pas se prendre d'attaque lourde, sinon on est KO. Donc c'est là, c'est pour les deux champions, hein, je vous le rappelle. Donc l'attaque lourde, hein, augmentée. Donc on va y aller avec Proxima. On va y aller avec Proxima, donc attaque lourde des deux champions, voilà. Et il est inarrêtable pendant qu'il charge une attaque puissante, donc faut faire attention. Pendant qu'il le charge, hein, dès qu'elle est partie, c'est bon. Donc voilà, faut faire attention. Oh putain... C'est bien ça. C'est grave bien. La dernière. Attention. Super. Ah, oh, c'est pas passé. Super.
Génial, et bah Proxima s'est passé tranquille. On a perdu beaucoup de vie par contre, hein. Bon, ça c'est logique, on prend un petit peu coup dans la gare, mais surtout on était tout le temps loin d'elle parce que bah, le temps qu'elle passe derrière nous. Ouais, c'était, mais c'est en tout cas c'est très rapide. J'irai pas sur Blade là, bien qu'il soit pas très compliqué, je pense. Ouais, gain de pouvoir un peu amélioré, mais j'irai la prochaine. En vrai, le Blade va pas être trop chiant, c'est surtout le Rhino, hein, vraiment, le Rhino qui est chiant. Donc là, nous avons un Gambit en. Pouvoir améliorer, donc 200%, et affaiblir. Et ensuite, on a Tornade avec tonnerre grondant. Donc là, on va aller avec Sentinelle, parce que Sentinelle n'a pas besoin de taper beaucoup. On va taper dans sa garde. Le Gambit devrait pas se faire trop difficilement. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une blague? Putain, c'est une blague! Bon, j'ai jamais fait ça en vidéo, mais là, fallait que je recommence la quête. Enfin, le combat. Fallait que je recommence, c'était pas possible autrement. Donc voilà, j'ai choisi de recommencer. Bon, par contre, ça serait bien qu'il fasse son spé. Au pire, je lui fais faire ses spé 2. Oh putain! Ah non! Non! Ah putain, je vais être encore paralysé! Merde! C'est pas possible! Ah ouais, c'est impossible. C'est impossible, je vais encore me faire avoir comme un con. Oh putain. Tu fais tes spé quand tu veux, gros! Tu fais tes spé quand tu veux, gros! C'est pas possible! Mais fais tes spé! Fais tes spé! Et je perds Sentinelle en un combat. Comment déglinguer une quête avec un combat? Bye Léo! Voilà. Super. Normalement, ça passe tranquille, hein. Il a vraiment juste son pouvoir. Alors le problème, là, le problème, encore une fois, c'est qu'il fait pas ses spé. Il les fait difficilement quand même, je trouve, un peu, hein. Ouais, non, c'est chiant. C'est archi chiant. C'est archi chiant parce que je me retrouve bien en embarras là. Parce que je n'ai plus notre ami Sentinelle pour le boss. Hey. Et je vais me retrouver comme un con à avoir juste Ghost et que je sais pas la jouer. Eh ouais. Ah ouais, mais non. Non, ça va être un délire. Ça va être un délire parce que. Le temps qu'il fait. Oh putain, mais fais tes spé, gros! Hé! Hey, allez là! Putain, je perds des vies là! Ah, je peux rien faire. Je peux rien faire! Putain, il m'énerve! Ah, il m'énerve! Fais tes spé! Ah! Il a pouvoir améliorer, il fait pas ses spé! Putain, j'ai rien pour lui! J'ai rien pour gérer le pouvoir, mais ça doit se gérer normalement. S'il fait ses spés, ça se gère normalement. C'est pas normal, là, que je perde deux persos dessus. Bordel de merde. Tain. Merde. Non, ça me fout hors de moi, des trucs comme ça. Ça me fout hors de moi. C'est pas normal. Ma quête, elle est gérée de bout en bout depuis le début. Elle est gérée de bout en bout. Putain, il vient même pas. Putain, il me vénère. La parade. La parade, merci. Putain, mais. Ah, il est trop chiant. Non, c'est une blague. Je galère de ouf. Je galère de ouf. Il est abominable. Il est abominable, il fait jamais ses spé. Il est abominable. Eh ben, on n'est pas dans la merde pour le boss. Hein. On n'est pas dans la merde pour le boss et je pensais vraiment pas avoir besoin de réa là-dessus. Ouais, non, il est abominable. Il est abominable. Il fait pas ses spé, quoi. Et pourtant, j'ai recommencé avec deux Sentinelles. J'ai recommencé. Et en plus de ça, ce qui m'énerve, c'est que là, j'ai recommencé. Je me suis dit, est-ce que je recommence ou pas?
Est-ce que je continue la quête, sachant que là, concrètement, la vidéo, vous allez voir, donc du coup, je dois coller les deux morceaux. Ça veut dire montage, et ça veut dire 7 heures de montage sur mon logiciel. Ce qui est très... Les gars. Putain, je suis obligé d'être hyper... Putain. Aïe, 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 c'est chaud. Et du coup, ouais, ça va... Normalement, ça, c'est une quête qui doit se faire en moins de 30 minutes et qui, du coup, est facilement à mettre sur ma chaîne. Et là, elle va être très longue parce que j'ai quitté entre-temps. Mais j'étais obligé de réessayer. Et ouais, non, c'est hardcore. C'est grave chiant. J'aime pas, hein, recommencer comme ça, c'est pas dans mes habitudes, hein, mais là, j'étais obligé, hein. J'étais obligé parce que j'avais pas. Je pouvais pas perdre Sentinelle aussi rapidement et finalement je le perds aussi rapidement donc. Oh, putain, j'étais loin de la. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, c'est pas du tout la quête de Ghost. Hein. C'est pas du tout la quête de Ghost parce elle perd trop de vie, quoi. Faut vraiment The Hood, sinon c'est mort, quoi. C'est mort de chez mort. On va tenter un truc avec Proxima, mais là, ça me paraît compliqué de parer un. Hein. Ça me paraît compliqué de parer un. Hein. On va tenter un truc avec Proxima. Non, les gars, mais non! Mais non! Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Allez, fais ton spé là, dépêche-toi. Ah putain. Merde. Ah, il vient pas dans mon intercept, il vient pas dans ma parade. Ah, je vais réa. Putain, je vais réa sur cette quête. Ah merde, putain, ouais, ce Gambit, il m'a tué. Ce Gambit m'a tué. Ah, il m'a défoncé. Vraiment, il m'a... Ah là là, je m'y attendais pas du tout. C'est ça, en fait, c'est surtout ça qui m'énerve, c'est que je m'y attendais pas, mais alors pas du tout, quoi. Vraiment, j'avais aucun moyen de penser qu'il allait me mettre aussi cher. On va voir ce que ça donne avec Hulk, mais bon. Faut faire le combat parfait. Faut faire le combat parfait. Donc là, il est à 50% bientôt. Donc nous, on va subir des dégâts, hein, mais... Mais voilà, on attaque. Ok, ça c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. On lui fait bien descendre ses vies et... on est plutôt pas mal, mais c'est son spé 1, à Loki que... Disons que derrière, on peut difficilement contre-attaquer et ça m'embête bien. On peut réattaquer, hein, mais faut être archi rapide. Super. Ah, le duel Loki-Hulk. Duel très connu, hein, dans l'univers. Dans l'univers cinématographique. Parfait, j'ai eu l'attaque. Ça va augmenter notre capacité à lui mettre cher. Allez, on se déglingue. Ouais.
Ouais, ça va. Bon, ça va. En vrai, Ultra Nirog, c'est quand même pas mal, parce que c'est quand même pas mal au corps à corps. Je perds pas beaucoup de vie, je perds pas beaucoup de vie à rester dans le combat. Un peu déçu quand même de mon passage, franchement, je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais le Gambit, vraiment, genre... J'ai fait des erreurs hein, dans ce combat-là, hein, mais faudrait que je le re-regarde, parce que c'était très rapide, en fait. Et genre, ouais, j'ai fait des petites erreurs, hein, mais... Quand vous avez un adversaire qui a 200 de pouvoir en plus, c'est pas si dur hein, en vrai, hein, 200% de pouvoir. Bon, c'est quand même pas mal, hein, mais ça se fait, vous pouvez lui faire spammer. Mais le problème, c'est que là, je peux pas trop attendre parce que sinon, je vais prendre des dégâts. Et il fait pas ses spé alors qu'il avait pas de borne défenseur. Hein. C'est pour ça que je suis allé vérifier après ses bornes parce que là, il agissait comme un gars qui a borne défenseur, hein, qui fait pas trop ses spé et tout, qui les garde bien. Donc c'est compliqué quand même, c'est compliqué. Mais bon. Ça c'est fait, et je suis content, j'ai pas réa finalement. Ultra Nirog nous a servi, nous a carrément carry le boss. Je me suis un peu foiré avec Proxima d'ailleurs, hein, mais voilà, Domino a bien géré la ligne, enfin a bien géré le début ligne en tout cas. Proxima a bien géré contre la guêpe, derrière on s'est scratché complètement contre Gambit, donc du coup Sentinelle pour une fois nous a servi vraiment à rien, complètement. Même Ghost a servi un peu plus. Ghost nous a quand même bien carry, hein, elle nous a fait bien le Gambit. La tornade aussi, même si je me suis pris des coups. Enfin voilà, elle a quand même bien carry, hein, mais bon. Voilà. J'aurais pu faire mieux, clairement. Je dois faire mieux avec Ghost et je dois surtout faire mieux en général contre le Gambit parce que j'ai pas été génial. Voilà, on a fait deux passages là. J'en referai très bientôt. Hein, de toute façon, là, la saison de GA est finie. Donc là, je vais pouvoir bien spammer. Il me reste deux passages sur cette quête. Non, trois passages, pardon. Trois passages. Donc deux en haut après Heimdall. Donc après le Bishop, pardon. Et après Mephisto. Et donc là, à la fin de cette ligne-là. Après Blade, voilà, il nous reste deux passages à faire et il nous reste un voire deux passages sur la quête 3. Après j'ai fait quelques petits passages par-ci par-là. Enfin voilà, merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo de tout type tous les soirs à 19h sur ma chaîne de l'Acte 6. Voilà, en tout cas j'ai été puni, vous comprenez le titre, hein, j'ai été puni. J'ai essayé de contourner un peu. Bon, de toute façon, tout le monde le fait, hein. Je suis pas à mon habitude, hein. C'est la première fois que je le fais en vidéo. De redémarrer l'application pour avoir une deuxième chance. Et finalement, j'ai été puni. Donc, la justice a été rendue, en tout cas. Voilà. Merci à vous et bonne soirée.